What do we have here? What do we have here? C'est aucunement du Pokémon Unite qu'on va faire ce soir. Zéro Pokémon Unite. C'est aucunement du Pokémon Unite qu'on va faire ce soir. Ok, je vais pas le share sur mon feed là, mais c'est pas grave. J'ai mal fait mon preview, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. That looks nice. On va voir à quoi ressemblent les gens. À quoi ressemble la ville depuis que Tonton Jacques est quitté et depuis tout ce temps-là, man. God damn. Chômage, man. Avec 500 000 en poche. Qui ne veut rien dire, à vrai dire. Let's get it! Vision RP. La capacité est rendue à... Ça va se connecter dans pas long. Oh! Tokovoip, encore un problème technique. Connected. Ouais. Disconnected. Connected. À moins que ça soit pas le bon. Disconnected. Connected. Ouais. All right. J'ai mon style de marche. Oh my God. Bonjour. 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 Non, il n'y a personne dedans. Je pense que mon... Je dois checker, attendez, je vais aller voir mon... Toco Vibe. Moi... un 3 1 1 A accident sur Elgenev. Véhicule détruit
Véhicule. Accident sur Elgin Ave. Ouais, on va mettre un accident sur Elgin Ave. Et du monde qui font du herbe. C'est juste bizarre. Hein. On va voir à quoi ça ressemble les. On va voir à quoi ressemblent les services même. Est-ce qu'il y a des. On a une seule police! Mais on a quatre mécanos. Oh, laisse faire, mon gars. Laisse tomber ça, mon gars. Alright, on va aller voir c'est quoi qui se passe au garage. Oh. Moi aussi j'ai acheté les. J'avais les frites. Tout le monde chez Bella demain puis on s'en va. C'est des sacs. Des sacs. Moi j'achète des sacs de frites de Cavendish avec je sais pas qui est crispy là. Hein? Bonsoir, ah, ouais. Bonheur. Ah oui. Bon, ça va bien, monsieur. Hein? Oui, veux. Hein? Tonton Jacques! King! What up, my man? Tonton Jacques! Ah voilà! Mon Dieu, il est solide dans ta. Attendez. Ça va mon beau garçon? Ah ça va très bien, ça va très bien. En disant on a pris des longues vacances. Marcus, viens ici, viens d'excuser à tonton Jacques. Très 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 longues vacances. À cause qu'on l'appelle tonton Jacques, c'est un vieux. Ouais. C'est à cause qu'il a la barbe blanche que c'est un vieux. Je pensais qu'il était vieux, mais c'est à cause qu'une marquette que c'est un vieux. À cause que c'est carte de l'ange d'or qui est vieux. Regardez en face là comme faux là. Trouves-tu qu'il ressemble à Roland Gélil? Wow. Alors, oh s'il me parle de casino, c'est sûr c'est lui. Il ressemble à Roland Gélil. Hey, salut René. comment ça va? Parfait, donc. Ça va super bien. Oh, ouais, très bien, très bien, très bien. Wow. Bonjour à Bocas. Tes pièces sont à 94, 87, 95, 84, 96, 96, 82, 93. Wow! Donc, tout est good. Oh, c'est ok, merci. Moi, je pensais que le fait qu'elle avait pris de la poussière, il y aurait eu quelque chose, mais bon, c'est correct. Hein, le... C'est comme un curé, ça n'a jamais sorti l'hiver. Ouais, exact. semble la neige arrive dans pas long, non? Bon, pas pressé. Ouais. Ah, moi j'ai tellement hâte qu'elle arrive là. Ah, c'est ouais? Pas toi ça qui disait que tu pourrais vivre à l'année longue là-dedans? Ah, moi n'importe quand. Ah, c'est ça. 365 jours par année. Parfait. Alors, Monsieur King, je vais prendre 2 minutes pour vous parler là, 2 minutes. Ben oui. Oui. Bon, ben moi, écoute, m'aller lancer du bouclier sur l'ordi. Ah, je t'avais, moi tout. Yes, bye, Johan. Non, ça fait quand même un bon bout que je ne suis plus en ville là, puis j'ai ben pas oui, ben oui, que je n'ai pas de nouvelles non plus là, donc juste être un peu plus à jour. Est-ce que le whisky est encore en vie? Ah, est-ce qu'on a encore j'ai brûlé hein? Ici on est sur le bord de la faillite. What? Attends, quoi?
Oh ouais? Ok. Je passe au feu, il semble sur le bord de la faillite. Est-ce que là vient de me voler mon truck? Ouais. Ok, mais est-ce qu'on peut aller plus en détail? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben non, c'est des blagues, mais... Ben, je vais te laisser chérie dire, y annoncer la grande nouvelle. Ah, ok. Tu peux me parler chinois. Que vous allez la marier une deuxième fois? Ah, ben dans 2 jours, hein, ça va faire 1 an. Ouais. Ouais, ben ça oui. Je sais, mais oui. Je rappelle, là, au Rancho, il y avait les feux d'artifice là, et tout. Là. Oui, vous avez fait exprès pour faire en sorte que ça soit magique. La nuit avec les beaux effets. Les beaux effets, ouais. Mon gars, j'ai rien préparé pour vrai. T'entends-tu faire de quoi? Écoute, moi, surprends-moi. Ton liste, on fait le tour, hein? Hey, excusez-moi, mais j'ai tout organisé le mariage, moi, l'année passée. J'avais le tour en aussi. Non. Il y a une couple d'affaires que je peux passer, moi. Ouais. On va voir si tu te rappelles. C'est où, mettons, l'endroit la plus... C'est là qui évoque le plus de souvenirs, mettons. Où est-ce que notre relation a le plus grandi? Et moi, il y a 2 spots pour moi. T'as 2? Ouais. OK. Je pense qu'on a les 2 même. Ouais. C'est quel? Une grosse vue. Puis l'autre, c'est dans un gros lac d'eau. Ouais. La première, ça aurait été au Mont Chiliade. Ouais, sur le toit, la grosse vue, ça ouais. Je disais. Puis le deuxième, c'est au Mont Gordeau. Exactement, dans le lac d'eau. Où est-ce que t'as pris beaucoup de soleil, là? Non, j'ai jamais perdu mon temps. Non. Fait que tu imagines retourner faire un petit pique-nique là-bas. Ça va peut-être être le fun. Mais tu sais, imagine y aller même en hélicoptère. On me reste de mal. Ça a pas bien viré la dernière fois, on va dire. Wow! Mais bon, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai vendu le ranch. Oh! OK, donc... J'ai investi ici dans la compagnie avec ma femme. OK, donc... Ben, lui, qui est maintenant le propriétaire du whisky? Il y a un manque... Carl Wilson. Il avait Jamal, puis il avait... Oh, c'est Carl! Wow! Mm-hmm. OK. Mm-hmm. Il a acheté ça avec sa blonde. Oh! Okay. Et lui avec Ella? Non, ils vont se séparer. Ah, oh, OK. Ça, c'est une autre tonton? Oui? À quel numéro je fais la facture? Ah, oh, attendez 2 secondes. On va lui offrir un... Ouais. Bon, parfait. Hein? Mon heureux client, c'est le 500. What the fuck? Tabarnak! T'es béton! Ah ouais? Je fais 512. 4 mal de tête, là, que j'ai, là. Viens, je viens d'accord de ça, j'ai 493 mal de tête. Voilà. Oh, mais en Dieu. Fait, tonton Jacques, là, si on recule avant, là, ouais. C'est que Jamal est parti. OK. Jamal et Abdel ont acheté le Bahamas. OK, ouais. Abdel est encore propriétaire du Bahamas, je crois, à ce jour. Ouais. Jamal, je pense qu'il est maintenant rendu au Burger Shot. Ouais. Avec Samy, la blonde bon, à GM. Bon, la gang, ça va être un gros dodo. La blonde à GM. OK, OK, OK. Hey, merci, Marcus. On se voit demain. Bonne nuit, Marcus. Certainement. Est-ce qu'on passe la nuit ensemble Marcus. Demain? La nuit qu'on... Hein? Ben, demain, c'est la nuit blanche. Ouais. Clairement que je passe la nuit de site avec vous autres. Yes, sir. Let's go. Merci, mon Marcus. Merci de... On repart bon. Dans tous les coins. Excusez. Merci de tes heures aujourd'hui. Oui, merci. C'est super apprécié. À demain, mon beau garçon. Va te reposer. Toujours. All right. Fait que c'est ça. Fait que Jamal là, il est rendu au Burger Shot avec Samy qui est la blonde à GM. OK. Là, ensuite... ben, venez proche de la porte, s'il vous plaît. Ben, il pleut dehors. Bon, nous disons pas ça 2 fois. Il pleut. Donc, c'est ça. Après, GM a vendu ses parts à Alex. OK, je comprends, là. Ouais, ben, au moins, la porte reste ouverte. En tout cas, elle est fermée tant qu'à moi, là. Elle est pas ouverte? Non. Là, oui. Reste là, Matt. Hey, c'est sa première journée, hein. C'est son initiation. Il hey, dit, j'étais pas le porteur d'eau, j'étais le porteur de porte. T'as le dormant. Donc, Jim a vendu ses parts à Alex. OK. Donc, Alex avait le ranch, puis il a finalement décidé de vendre le ranch à Carl, qui a acheté ça avec sa blonde, qui est Mélodie, qui était l'ancienne propriétaire du Unicorn. OK. Et Alex est maintenant rendu copropriétaire avec moi ici. Ah, OK, parfait, parfait. C'est rendu familial, mon ami. Ouais, une garage donc, familiale. Il manque juste le garçon qui vient de travailler ici, puis c'est toute la famille. Ah oui, donc Axel a rendu où? Axel, il est parti en voyage, il se promène un peu partout.
Il devrait être capable de revenir tant qu'à moi, là. Il devrait le calif. Mais c'est ça. Il a tout le temps de la peine à son père. Il a tout le temps de la peine à son père en train de dire je vais revenir. Oh, ouais, mais c'est ça. Ok. Il va bientôt. Mais tu sais, il y a un enfant, hein, c'est écoute. Un crépus. C'est toujours sur une patte. Là, oh, ouais, c'est, on laisse c'est faire ses affaires, puis à un moment donné, quand il va avoir fini son trip. C'est normal, c'est normal. Ça veut voler de ses propres ailes et lorsqu'il a besoin de guidance, il va pouvoir venir vous voir. De toute façon, les menottes, là, je les garde pour son père. Là, fait que... Oh. C'est ça. Okay. Fait qu'en termes de grosses nouvelles, je pense que c'est à peu près ça, là. OK. Donc, est-ce que vous avez encore l'union, Gigi Blanca, vous êtes tous encore réunis quand même? Ça, je voulais laisser ça à Alex. Non, on a fermé le groupe. Vous avez fermé le groupe? Ah, ouais. OK. Mais vous parlez encore de temps en temps. Oui, oui, oui. OK. C'est encore des très, très, très bons amis, puis ils vont toujours s'entraider, ils vont toujours s'aider, ils font encore des petites choses ensemble. Mais en termes de la Gigi Blanca, ça c'est dissolu. Ah, OK. C'est dissous. Parfait, parfait. OK. Juste être... OK, donc il n'y aura plus de souper barbecue, surprise. Ah, ben non, mais ça, il peut en avoir, c'est sûr. Ça reste quand même la famille. Ah oui, ça je comprends, mais on avait la bonbonne de propane en arrière, au whisky, c'était beaucoup plus facile. Comme ça, je voulais juste envoyer le message texte. Ben, au pire, c'est Carl qui est le propriétaire, je suis pas mal sûr qu'il va c'est vrai, c'est vrai. Carl, il me laisse le pied d'accès là quand je veux. Ok, c'est bon. Fait que les barbecues, on peut toujours les faire, il n'y a pas de problème. Là. Parfait, ok. Ah, ça se fait, il n'y a pas de problème, ça veut dire ça. Ouais, fait que c'est quand même des gros changements, ça a quand même bougé. Donc c'est ça. Ah, bon, moi, depuis que... Il y a eu un terme à mon contrat en tant qu'avocat. Ouais, c'est comment ça, je me demandais, c'est fini? Ouais, à cause d'absence? Ou... Ouais, à cause de deux absences. Une était vraiment pas prévue. Les deux étaient pas prévues, à vrai dire. C'est juste qu'il y a eu un manque de coordination avec le site de la ville et les courriels, dans le fond. Donc, dans le fond. Il y a une partie des courriels qui ont été envoyés à moi perso. Et il y a une partie des courriels qui ont été envoyés sur le site de la ville, sauf que la conversation n'a pas continué exactement dans les bons endroits. Donc il y a eu un manque. Ouais, confusion, point de vue information. Donc ils ont mis un terme à mon contrat. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai pas pu me pointer aux deux procès qui étaient très gagnables. J'avais des gros plans en plus devant moi. Je voulais faire en sorte que James Kelly puisse joindre le département de la justice en le rendant innocent contre ses accusations. Mais bon, disons que James, ça fait énormément longtemps que je ne l'ai pas vu. Ouais, mais bon, ça c'est d'autres choses aussi que prendre en considération. Comment ça se déroule avec les avocats? Est-ce qu'on a quand même beaucoup d'avocats en ville? Écoute, il y en a quand même. Il y a Alice Beaulieu. Je ne sais pas si elle était là quand toi, tu étais là. Je pense que oui. Alice est un petit peu moins présente. Il y a Jenny Blackweather. OK. Il y a, ben écoute, Mark Kennedy. Il a fait son dernier procès ce soir avec Alex. OK. Moi, j'ai eu le procès hier soir. Ben non, en fait, c'est qu'il redevient juge. Ah, il redevient juge. Ah, OK, parfait. Mais je mettrais un petit bémol là-dessus, parce que l'écouter parler à soir, là, il y avait comme plus envie de rester avocat. Ah, OK, parfait, parfait, parfait. Ah, j'ai eu une grosse... La grosse poursuite ce soir, là. Une grosse poursuite. OK. Donc, la ville. Puis moi, j'en avais eu hier. Et Maître Falardeau? Non, lui, on ne l'a plus vu. Moi, en tout cas, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Ouais, moi aussi. OK. OK. Puis le juge, pas le juge, mais l'avocat à soi, c'était qui? C'était Monsieur Lawrence, l'avocat Lawrence. Ah, ouais. OK, parfait, parfait. OK, c'est bon. À part ça, honnêtement... On l'a battu plein de coutures, oui. C'est à peu près les seuls que je vois, là. C'est bon. Il y avait eu un Power, Monsieur Power, c'est fou, là, mais... parce que... Je pense qu'il est plus là. Je me le rappelle, là, Monsieur Lawrence, ça, c'est même lui que je formais dans le temps qu'il était apprenti, qu'il commençait. Ah. Il s'est fait abuser à soi. Mais c'est ça, il était bon, par exemple. Il avait la gueule, puis... C'était moi et Kennedy, on actionnait la ville et le PD et les juges et tout le monde, non? On a gagné. Wow. À cause d'un Donc, SNS, lui, il représentait... SNS abusif, ouais. OK. Donc, au département de la justice, il y a vraiment... Est-ce qu'on a un département de la défense, non? Non. Il y en a pas qui défendent les policiers, non? Pas à ma connaissance. OK. Parfait. Donc, ça veut dire que...
Entre-temps, tous les rendez-vous qu'ils ont eu, toutes les réunions qu'ils ont eues, ils ont quand même toujours pas réussi à en avoir. Monsieur Lachance, est-ce qu'il est encore avocat? Négatif. Il est redevenu policier, lui. Redevenu policier, ok. Non, on a la chance. Oh, ouais, 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 ouais. Ouais, il est redevenu policier. Ok, parfait. Ouais, il est retombé cadet. Ouais, ouais, retourné cadet, bon, disons qu'il a quand même beaucoup plus d'expérience que les autres. Maintenant, il a quand même de l'information du département de la justice. Il peut prédire c'est quoi nos arguments lorsque ça vient à faire Ouf, des débats aussi. ouais. Ok. L'entente de la justice, ça ressemble pas mal à ça, je dirais. Il y a eu beaucoup de changements au niveau du PD aussi. Jean Lafontaine, Joe Mama sont rendus dans les Troopers avec Eddie Bongo et Emma Dupont. Emma Dupont est rendue Trooper. Elle a toujours été Trooper. Ah, okay, ouais, c'est vrai, ouais, ouais. C'est elle qui est à la tête, non? Exact. Donc, Jean Lafontaine, qui était commandant du PD, est maintenant aussi rendu Trooper avec Joe Mama. C'est maintenant James Richard qui est commandant. Et Fred, sans regret, qui est rendu assistante. Oui, et on a après encore ça, le fameux Lincoln qui est toujours... BCSO. Exact. Donc, on a Lincoln, BCSO, Arnaud Lachance au BCSO, on a Cormier qui est au BCSO. Puis là, il y a une couple de recrues, je ne me souviens plus de leur nom. Je pense qu'il y a Alex Roy, qu'on a fait bien des blagues en disant que c'était la version francophone de Alex King. Non, c'est la version de Wish. La version Wish. Wow. Mais c'est quoi, il est venu cette semaine, puis il m'a dit « Ah non, je n'ai pas changé de ville », mais il avait trouvé ça bien drôle. Puis je pense que Shag, il est rendu sergent. Si je me trompe. Wow! Bon, beaucoup de progrès entre temps. Oui, oui. C'est bon. Puis c'est là, bien, c'est ce bien. Qu'on a su, tonton Jacques, c'est que apparemment, que en fait, tout le service de police essaie de redorer leur image. Donc, ils sont plus gentils, sont plus à l'écoute, plus service à la clientèle. Tant mieux. Donc, nous, on a failli tomber sur le cul là, avec. Qu'est-ce qui s'est passé avec la rose? Ben, écoute, nous, aux dernières nouvelles, La Rose, on était en auto, moi puis Alex, on a un petit peu drifté en avant du poste de police, mais pour aller dire bonsoir aux polices parce qu'ils étaient tous en avant. Puis La Rose, il est venu derrière de nous autres, puis il a sorti son M4, puis il a pointé à Alex, puis rentre dans ton crisse de char, blablabla. Bla, bla, bla. Il a commencé à faire des menaces. Ça, c'est une sortie d'armes sur la voie publique. Oui, écoute. Est-ce qu'il est en service? Oui, oui. OK. Il est en service, puis là, écoute, tous les officiers de police étaient sur le trottoir. Écoute, sont venus. Arnaud, il est venu. Après ça, je ne sais plus quelle police qui était là. Il a dit à La Rose, là, tu prends ton 42, puis tu embarques dans le char, puis tu t'en viens. Écoute, grosse scène, puis Arnaud qui est venu s'excuser. Anna Taylor est venue s'excuser du comportement de La Rose, puis ils n'ont pas voulu qu'on paye de facture. Moi, j'avais dit à Alex, ben au moins, tu sais, paye la facture. Tu as drifté en avant, puis c'était comme. Ah oui, ben oui, ben oui. Puis là, Arnaud, il a dit non, 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 vous ne payez pas, vous pouvez y aller, puis on s'excuse vraiment. Puis je fais tabarouette, méchant changement. Puis on a su après, justement, qu'il voulait changer un petit peu la vision du poste de police, de redorer l'image pour, tu sais. Pas tasser les pommes pourrites, mais de dire qu'ils se font avertir puis ils se font remettre à leur place. Là, parce que honnêtement, la population était comme un peu tannée. Là. Ouais, ils se ouais. traitaient comme de la merde. Là. J'avoue que aussi, il y avait quand même un gros, gros, gros abus de pouvoir dans Exactement. Le temps que j'étais apprenti, le temps que j'étais junior avec Maître Falardeau et qu'on avait, je pense, Maître Kennedy qui était en longue vacances, donc on avait presque pas de juge qui était présent en ville pour les procès et quoi que ce soit. Donc à chaque fois, il y avait toujours beaucoup de sarcasme, disons, concernant les bench trials ou les procès, comme quoi disant ils avaient comme quoi entre guillemets peur que le juges viennent pour les... Bon, vous comprenez, là. Mais bon. Oui, oui, oui. Mais les juges, là, présentement, on a vu... Ce soir, c'était Campbell. Oui, la soupe Campbell. Hier, à mon procès, c'était encore le juge Joseph. Ah, puis, OK. Puis, ben, Kennedy... Oui, James Joseph. Puis Kennedy, ben là, on le sait pas. Est-ce qu'il va finalement devenir juge ou il va rester avocat? C'est un peu un mystère, présentement, là. OK, OK, OK. C'est à peu près les seuls juges que moi je connais. Ouais. J'avais vu Donc, une madame à un moment donné. Le email que j'ai reçu, bon, le email que j'avais reçu, c'était
de Mario, à vrai dire, en disant qu'il avait mis la fin de mon contrat, mais depuis que j'ai envoyé un email de retour, j'ai jamais eu de réponse. De temps en temps, je me trompe. Joseph? Ouais. James Joseph. Ouais. Oui, oui. En tout cas. C'est vrai qu'on peut le confondre avec un certain. Ouais. Je sais pas, ils ont la même voix, hein? Ben oui, je sais bien. Ouais. En tout cas. C'est pas mal ça. Donc, depuis que j'ai envoyé le email, j'ai pas eu de réponse. Donc, de temps en temps, je vais en ville, mais c'est pas le bon timing. Ok, je vais y aller, moi. Alright. On se voit demain? Oui. Ben oui. Et voilà. Fais-en un vrai au moins. Voilà. J'ai eu un double. Je t'aime. Je t'aime, on se voit demain. Oui. Parfait. À la prochaine, Monsieur King. Oui, c'est dans le dos, là, oui. Vers 7-8 heures, mettre là. Ouais, à peu près, là. Ouais. Je vais peut-être. Ouais, je vais voir. Tu sais pas comment je dors cette nuit, là. T'es-tu là, Matt, demain? Yeah, je suis avec là. Let's freaking go. Demain, c'est la nuit blanche, fait qu'on va essayer de toffer tout ça, là. Ben, moi, je vais être avec les boys demain aussi un peu. Mm-hmm. Puis après ça, j'aimerais ça qu'on reparte toute la gang ici. Je vais peut-être venir avec un autobus, n'importe quoi, puis on part toute l'équipe de. Ouais, garage, on va faire quoi, là? Ouais, une activité. Parfait. Concernant les tempêtes, est-ce que c'est encore aux mêmes heures? Oui. Bon, okay. On se dit à demain tout le monde. Bye. C'est toujours à midi. Ok, parfait. Donc ça n'a pas vraiment changé. Alright, parfait. Donc je suis pas mal à jour sur tout ce qui se passe. Merci pour l'information. Très, très, très appréciée. Mm-hmm. Il y a pas mal les petites nouvelles choses. Maintenant, vous allez voir que les dépanneurs et les restaurants là, ont comme tout changé de fournisseur. Fait que la bouffe qu'on achète maintenant, il y a une date de péremption. Ah, ok. Ouais. Ok, c'est bon. Ok, parfait. Donc ça, tu vas voir ça aussi là, quand tu vas l'acheter là, tu vas mettre ça dans ton garde-manger là, ça peut passer assez vite. Ah ouais, parfait. Ok, donc c'est justement pour limiter l'achat. Good, merci beaucoup. C'est un peu pour faire rouler. Ouais. C'est bon, ça fait en sorte qu'on se déplace, on dépense de l'essence pour faire le plein de gaz. Oh, à la prochaine, Monsieur King. Bye mon cœur. C'est ça, donc c'est pour faire rouler ça un petit peu, là. Parfait, c'est bon. C'est un peu normal aussi, j'ai jamais vu de la bouffe, je ne sais pas, là. Est-ce qu'on a du monde qui peuvent être propriétaires des dépanneurs ou des affaires comme ça, non? Non. OK. À part ça, je sais pas quel gros changement majeur. Parfait, moi j'avais pensé, à vrai dire, à un projet concernant... pour ça c'est dans le temps que j'étais avocat, là. Mm-hmm. Dans le fond, c'était pour savoir qui était responsable des produits pharmaceutiques de l'hôpital pour qu'on puisse partir d'une compagnie qui allait donner les produits en question pour les prescriptions de leurs patients. Ah, ok. Pour qu'on puisse se faire escorter par les policiers, s'assurer que ça soit bien transporté, peu importe mm-hmm. quoi les produits qu'on avait, et pour éviter les cambriolages pendant qu'on fait... Mais il n'y avait pas déjà eu un projet comme ça qui avait été discuté là, par la ville? Ah, mais justement, c'est ce que j'avais apporté. C'était-tu en rapport avec le Human Lab et des choses comme ça? J'ai déjà vu un gros projet de cette envergure-là. Là. Ok, mais moi, c'est vraiment tout ce qui concernait les produits pharmaceutiques pour les patients à l'hôpital. Donc, tout ce qui concernait le Human Lab, ça, je n'ai pas été au courant. Mais ça fait du sens que le Human Lab fasse partie des laboratoires où est-ce qu'il pourrait procurer. Mais c'est ça. Moi, j'ai vu là, qu'il y avait un projet qui avait été déposé par rapport à ça, mais j'ai pas eu de suite. Là. Ouais, OK. Donc, après ça, j'avais un autre projet. C'était pour essayer d'avoir... Essayer de faire des produits laitiers. Mais c'est une autre affaire, là. Mm-hmm. Pour que je puisse faire des collaborations avec le vignoble, des soirées 5 à 7, 20 fromages. Ah, oh, wow! Le fromage, on en a déjà. Ouais, mais c'est quel type de fromage? C'est cool. Je pense que c'est juste un type de fromage. Exact, donc c'est ça. Donc j'aurais aimé me spécialiser dans plusieurs fromages. Okay. Ben, en fait, une nouveauté, c'est qu'on a maintenant les restaurants offrent de la bouffe différente. Okay. On a maintenant de la poutine. Ah! On a du tartare au thon, du tartare au bœuf. On a du gâteau au fromage. Justement, donc tout ça, ouais. ça,
tout ce qui concerne produits laitiers, donc fromage, des affaires comme ça. Ouais. Avec la compagnie, peut-être que j'aurais pu avoir et faire partir la business, que je sois le fournisseur de ces compagnies-là. Mais c'est juste... de la nouvelle bouffe, c'est vraiment cool. Là. Parfait. Puis après, okay. C'est de la bruschetta. Oh, OK. Oui. Ah, c'est vraiment intéressant. OK. Et est-ce qu'il y a des nouvelles cocottes en ville? Écoute, on parle bien de femelles, des femmes. Oui, des femmes. Ben, j'en vois quelques-unes qui viennent ici, là, mais c'est ça, il y a tellement un gros roulement. Là. Ouais, hein, c'est sûr et certain qu'il y a des nouvelles. OK, ça rentre, ça sort, ouais. Oui. C'est vrai. Il y en a qui font juste prendre leurs petites vacances ici à Los Santos et qui s'en vont. C'est là, ça. Mais bon, Ben oui, j'ai vu des nouvelles, des nouveaux visages. OK, parfait. Okay. Des agréables, des moins agréables. Bon. C'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Excellent. OK, parfait. Oh. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. All right. C'est bon à savoir. Bon, j'espère. Est-ce que le studio est encore en vie? Non. Ben, le studio est encore là, il est encore ouvert, mais c'est beaucoup moins fréquenté que ce l'était. Ah, OK. Il y a eu comme une grosse hype au début, là, mais, les gens étaient là, évident. Mais à ce moment-là, on n'entend plus du tout parler. OK. C'est bon. Donc, Mark est encore là-bas avec qui, des fois? Mark est déménagé. Ah, c'est vrai, il a quitté la ville? Ouais, il est déménagé, mais il revient faire son tour une fois de temps en temps voir les boys. Il était ici cette semaine. OK. Mais c'est ça, il vient très rarement, mais ça y arrive une fois de temps en temps. Mais non, il a comme déménagé toutes ces choses. Oh, OK, parfait. Il y a Abdel qui est toujours ici. OK, donc là, je suis juste pour le studio. Donc, vu mais que le studio, comme Mark je dis, n'est ça plus là. Okay, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Ah, OK. Donc, les gens qui veulent l'utiliser pour aller se pratiquer ou faire des choses, ils peuvent y aller. C'est toujours ouvert. Ah, OK, mais parfait. Mais il n'y a plus vraiment donc, quelqu'un qui s'en occupe. Monsieur Caron chante de temps en temps là-bas et tout. Oui, c'est ça. Puis ils vont s'en servir quand eux le veulent. Ah, OK, parfait. C'est rendu comme un endroit plus public, je te dirais. Ah, OK, donc c'est plus vraiment privé avec le studio privé. Non. Puis... Ah, OK, c'est bon. Donc, GM, on le voit rarement. Il vient de temps en temps. Normal, quand même... Ouais, c'est compréhensible. C'est ça, je pense qu'il prend des petites vacances puis il revient une fois de temps en temps. Là. Ouais, il c'est bon. Ici ce soir, là, il est au procès d'Alex. Ah, OK. Après ça, il y a Jamal. Jamal qui fait pas mal de tout, comme d'habitude. Oui, évidemment, oui. Mm-hmm. Et il est parti se coucher, non, aujourd'hui? Jamal, ben, il était là tantôt, mais je sais pas. OK, j'ai pas son numéro, je pense. Je sais pas. Je vais juste regarder dans mon téléphone. 3904. OK, attendez. Ouais, OK. C'est bon. OK, je vais essayer de le contacter. Oui, Jamal, il se couche assez tard, mais je sais pas, ça n'est pas des soirées. Parfait, on va aller voir ça. Fait qu'en gros, c'est les dernières nouvelles. OK, parfait. Merci bien, Bella. Ben, ça toujours, me fait plaisir. Toujours bien accueilli ici. C'est bon, c'est... À vrai dire, je suis quand même au chômage, mais bon, j'ai quand même encaissé beaucoup d'argent depuis que j'étais au département de la justice, donc j'ai pas trop à m'inquiéter pour mes taxes et tout, mais bon, c'est correct. Mais c'est parfait. Ouais. Mais c'est toujours un plaisir de te voir, donc n'hésite pas à passer nous voir. Parfait. Fait que j'attends mon invitation pour le prochain barbecue. Oh, ça c'est sans doute, hein? Parfait. Je vais prendre ça en note pour vous. Yes. Bon, je vais même vous inviter, je vais même pas amener King. Ah, c'est bon ça. C'est bon. Vous voulez dire qu'il mérite pas. Ouais. On a revu Alex King aujourd'hui. Ça a descendu le plus bas que j'ai vu descendre.
Oh my god. On m'a dit que Unicorn était ouvert, man. On m'a dit que Unicorn était ouvert, man. C'est quoi qui se passe? Nice. De la police. T'es pas capable d'en faire. Un petit peu moins, hein? De les Orange and Set? Allô? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah oui. Bonsoir. Ben, en fait, Orange and Set, y'a pas d'alcool dedans. Ah. Ouais. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça va bien. Ben oui, vous. Ah oui, très bien, très bien, très bien. De retour en ville. Mon dieu, oui. Bon, ben, t'es pas de ton genre. Ben oui. Mon dieu, allô, ça. La dernière fois que je t'ai vu, je pense que je venais de lâcher être avocate. Waouh, oh mon dieu, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Je suis rendu propriétaire du Unicorn. Ça, ben tant mieux. Vous avez passé de apprenti à propriétaire, c'est bon. C'est... Peu importe j'ai, le domaine. J'ai un peu échappé, mon dieu. Wow, c'est correct. Mais bienvenue dans mon bar. Ben oui. Merci. Jasmin, oh. C'est un de mes gérants. C'est le meilleur ouais. En ville. Oh. Bon. Les compliments, je pense que j'ai. Je vais me cacher. Tateuse. Eh, mais là, faut bien que je l'ai. C'est pas que c'est rendu ton seul employé, là. C'est ça. Le plate dans le sens du poil. Mmh. Ouais. D'un coup, quelqu'un va me le voler. Waouh. Mmh, mmh, mmh. Vous êtes tout averti. C'est ça. Je me suis gravé le ouais, unicorn. Mettons qu'on offre 1000 piastres. Waouh. 1000 piastres. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Que puis-je vous servir ce soir? Les employés ici, ils veulent de quoi ils vous aviez. De ben, j'ai pas des employés des entreprises. Ouais, on a des, ben oui. Des cheesecakes, des truffes, des pretzels, puis des drinks. On a ouais. Du orange sunset qui a pas d'alcool. Oh! Du, parfait, ben, c'est bon pour la sobriété, ça. Puis, ben, je vais t'en prendre et deux. C'est non, ben, voyons, c'était quoi l'autre déjà ton dessert? Cheesecake, truffes, des pretzels. Fait que deux Orange Sunset. Ouais. Puis deux cheesecake. Ouais. J'espère que t'es le meilleur voleur d'employés que dépanneur. J'ai jamais envoyé. Oh, hey, wow. Honnêtement, là, les seuls employés que j'ai engagés, c'est ceux qui venaient vers moi. Non, c'est pas Madoc. Ouais. Est... Ah, ok. Mais wow. Donc, Madoc, il a bien fait ça. Je vais te faire la facture, ça. Okay. Les deux. Des jokes de merde, là.
Voilà, t'es voilà. Bonne un peu, t'es bonne un peu. Attends, je suis deux secondes, je suis dans le... T'es chien, mais t'es bonne. Tiens, vas-y. Fallait que je fasse autre chose, correct? Je suis une bonne patronne. Rassure-moi, oui. Jasmin! Oui, oui, tout est beau, Wada. Ok, parfait. Je dois dire que oui, t'as été une bonne boss quand j'ai été employé ici. Merci! Moi, enfin, ça fait plaisir. Aussi, les cheesecakes, je les ai fait à 50 au lieu de 100 vu qu'ils sont bientôt. Mange. Pas de trop. Vous que puis-je vous servir, mon beau monsieur? Ah, on va prendre un sunset. Un sunset? Ah, oui, oui, oui. Parfait, je te fais la facture. Et ils voilà. Sont bons et hydratants en plus. Oui. Les sunsets, ça? Oui. Mais ça qui dure longtemps en plus. Non, maintenant, on est rendu avec une machine là, ATM. Faut que tu mettes ton téléphone là, sur la machine. À fond, j'ai collé un collant, il y a comme un collant X. Ah, ouais. Tu mets le téléphone sur le collant X. Ouais. Ouais. Ok, ça fonctionne avec PayPass. Okay. Oui, exact. Mm-hmm. Ouais. Puis c'est la même chose pour le bord. Tu le regardes bien fort. C'est quasiment que tes yeux se serrent. Et voilà, ouais. X, parfait. Je te mets ça direct sur le contrôle. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde ce soir. Non. Full house. C'est pas super, hein, c'est nice. Ça part. Le nombre de fois que ça l'ouvre, c'est ça, c'est normal que. Bon. Il y a du monde. Voilà. C'est ça. Un peu trop faux. C'est pas sa faute à lui, là. Il y a des boss aussi. Mais une chance, je suis là. Oui, une chance, t'es là. Oh, wow, ok, ça. En plus, je l'ai dit tantôt, quelqu'un. Ah ouais, ça hydrate bien le sunset. C'est bon, ça. Ouais, vraiment, ça hydrate bien. C'est le meilleur c'est drink que je parle. Jones. Faut lui donner... Dans le fond, avant, c'était Madoc, mais Madoc travaille plus ici, fait que maintenant, c'est la faute à Jones. Tout. C'est la faute à Jones. Libéré! Ok, je peux dire que c'est la faute à Madoc. Oh non. C'est la faute à Madoc si on n'ouvre plus le bar. Wow. Bon. Parce qu'ils veulent les employés. Oui, exact. Bon, ça y est. C'est toute sa faute. C'est sûr qu'il y a tellement d'employés qui sont partis pour lui, là. C'est sûr. Wow. Ils sont pas partis au Mossé, non. Ils sont tous partis à Scrap. Ouais, c'est ça. Ok, puis ici au club, c'est qui les danseuses? Est-ce qu'on a des danseuses retraitées ou qu'on a... Pas tant là. Elle, la danse. Quoi? La soirée. Wouh. Bah, t'as-tu déjà dansé, Maggie? Oui. Okay. Oui, elle a été employée. Oui. Très bon employé, d'ailleurs. Passez une bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon débarras. Mais c'est des clients comme un autre là. Ouais, non, l'inverse c'est correct. C'est moi, c'est la police que je voulais pas voir. Wow. Autant de haine envers la police, pourquoi? Quand t'es mardeau, crée-moi que tu veux pas voir la police. Ouais, non. Bah, mais là. Ça tente pas de me cacher, fait que c'est what? Ça. Oh, ok. Qu'est-ce que what? Faut juste pas se mettre en situation pour avoir des mandats, c'est tout. Ouais, il y avait un mandat. Ouais, mettons que j'avais un mandat pis qu'ils m'ont vu en sortie de la cour de justice, ben j'ai comme pas arrêté pis j'étais allé à mon auto. Fait qu'ils m'ont mis le mandat là. T'es ça encore avocat? Pis la course qu'on a faite hier. Moi non. La course qu'on a faite hier. J'ai décidé d'arrêter. Bah, ouais, c'est monsieur James Joseph qui a mis un terme à mon contrat, à vrai dire. Ah, ok. Donc, c'est ça, là. Donc, ouais. Parce que tu étais quand même un bon avocat, pour vrai. Ouais, c'est juste qu'il faudrait que je retourne voir soit Matt Kennedy ou Matt Joseph. Kennedy, je pense qu'il s'en allait juge dans pas long. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est pas déjà le cas? Non, il finissait le cas à King, puis après, il se mettait juge. Ah ouais. Est-ce qu'il a changé d'idée et il veut continuer à être avocat? Je sais pas. Je ne sais pas, moi non plus. Donc, je voudrais que j'aille à la source pour que j'aille prendre plus d'informations.
Ça va avoir un impact aussi sur mon inscription, mon ma réinscription en tant qu'avocat. Donc, je sais pas si je vais retourner ou si je vais aller joindre le côté sombre de la force à nouveau. Le côté sombre. Come to the dark side. Mais je peux quand même négocier des affaires pour ceux qui travaillent du côté obscur. C'est bon, ça me dérange pas, ça. Pourquoi tu me regardes en disant ça? Je sais pas pourquoi, hein. Oh, j'ai des yeux pour regarder, je regarde à l'entour, c'est tout. Moi, je t'habille là, je suis pas obscur. Hey, après l'Halloween. Oui, je suis totalement honnête. Après l'Halloween, il va y avoir un événement spécial. Quoi? Un événement spécial. Un événement spécial. Après l'Halloween. Une soirée d'improvisation, genre, au thème, dans une galaxie près de chez vous. Wow! Ouais. Ouais. J'aime ça! C'est moi et Frankie qu'on en a parlé hier, puis sérieux, Ouais, ça va être drôle, je pense. Non, je pense pas, ça va l'être. Oui, effectivement. C'est clair. J'ai pas hâte de voir. Jasmin. Yes. Je sais pas si tu savais, mais il y en a un qui est barré ici, hein. Qui ça? Attends, c'est je beau, l'inviter. Je sors. Ben non, ouais. Ok, on a compris. ok, ouais. Ok. Ouais. Lui, il est barré. Les autres sont pas okay. barrés. Ok. Ah, ben ça doit être un qui a une gang. Une personne qui a une gang. Hein? Mais tu, même en l'imitant, tu l'as pas reconnu? Ben, je pense que t'as pas vu à cause du comptoir. Non, c'est ça. Attends. J'essaie de comprendre qui, mais je pense que... Tu vas comprendre quand tu vas le voir. Attends, regarde un peu. On commence l'improvisation ce soir, les boys. Ah oui, ok, oui, ok. Ah oui, ok, ouais, tu l'as dit tantôt. C'est ça. Wow. Mais je savais pas si Jasmine le savait. Ah, j'ai reconnu tout. Moi, j'ai aucune idée c'est qui. C'est pas une perte. Non. Ouais. Ok, non. Parfait. Ça a l'air qu'il y a un enfant. Ah, ouais. Alright. Donc, je pense Piston que... Piston de sunset, c'est oh, ouais, c'était bon, là. Bon, that's it. Pour une fois qu'un bar vend des trucs pas alcoolisés, autre que du Sprite, pis... Exact. On en vend plein de trucs pas alcoolisés. Ouais, pis en plus, c'est moi qui ai breveté le nom. Ouais. Wow. C'est elle qui les a faites en plus. Bon. Ouais. Elle a rajouté un peu de possess. C'est nice. De quoi? J'ai mis de l'amour. Mais là, bon. J'ai mis des larmes de joie. Ouais, c'est ça. À chaque fois que je dis des larmes de joie, les gars, ils partent en courant en disant arc. Fait que je vais arrêter de dire ça. Arc. Il s'en va vraiment. Check là, il donne sa démission. Ok, bye. Bye, là. Fait que là, t'es la seule qui récit. Ouais, je sais. Bon, merci beaucoup pour le sunset. Moi, ouais, je vais aller prendre une belle petite sieste et on se verra la prochaine fois. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre entourage. C'est bon, hein? Prenez soin de vous. Je vais te poser une question avant. Oui. Ah, viens-toi. Oui. J'ai juste savoir, là, ça peut combien un avocat? Ça quoi? Ça peut combien un avocat? Oh, ça dépend des cas que vous avez par semaine. Vous êtes payé à la semaine, de chaque dimanche. Bon, c'est comme ça que j'avais ma paye dans le temps que je travaillais. Mais c'était quoi, peut-être 1000$ par cas et quoi, quand vous êtes capable de négocier pour avoir des meilleures sentences pour vos clients, vous pouvez avoir des bonus. Donc, le fait que vous faites moins de temps en prison, ça fait en sorte que nous, on se fait payer plus aussi. Ah ouais? Ouais, donc c'est pour ça qu'on vise tout le temps à négocier votre sentence, faire en sorte que vous faites le moins de temps possible pour que vous puissiez partir le plus tôt possible de la prison et éviter d'échanger des formations criminelles avec d'autres innates. Ah, ok, parce que je veux juste changer d'arrière, puis je me demandais, là.
Non, mais c'est... Mais c'est ça, mais de toute façon, lorsque ça vient à un avocat, de prendre en note que c'est... Les avocats sont gratuits, sont fournis. C'est un service qu'on vous fournit, là, la ville, de toute façon. Donc, okay. lorsque on vous demande si vous voulez avoir un avocat, ben, vous avez, c'est à ce moment-là qui vous allez, c'est nous qui va faire la négociation pour vous. Sinon, les négociations sont beaucoup plus du bord du de la police. Mais on est là pour éviter qu'ils utilisent leur abus de pouvoir. Ok. On est là. Ouais, je vais réfléchir parce que ouais. Je sais pas quoi faire là. Je veux changer de carrière. Je veux. Vous voulez changer de carrière? Comme 3 mois, là, je suis sorti de prison. Puis je me dis peut-être que. Oh, ok. Mais est-ce que vous êtes allé en prison combien de fois? Est-ce que vous avez un gros dossier? C'est pas moi qui ai été le plus souvent en prison, mettons. Là. Ok. Mais j'ai été quand même une couple de fois. Là. Une couple de fois, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est quoi les charges qui ont été poussées contre vous? C'est quoi? Il y a 2 fusillades, max. Ok. Peut-être 3, mais vraiment, c'est le maximum. Le reste, c'est des pépaneurs, quantiques dangereuses, des shit de même. Ok, donc vous avez fait des délits de fuite. Vous avez eu des résistances à l'arrestation. Ouais. Ok, je pense que c'est faisable. Vous pouvez toujours envoyer au site de la ville votre demande de pardon. Je suis pas un criminel. Là, ah, mais c'est bon. Pas, c'est... Tout va commencer. C'est comme 2 mois et demi, 3 mois, je suis sorti de prison aussi. Fait que je me dis peut-être qu'ils vont voir que je rentre dans le droit chemin. Ouais, c'est vrai. Moi, ce que je vous conseillerais, vous auriez même pu aller prendre des conseils avec le policier qui était juste là à côté de vous. Mais ce que je vous conseille, ça serait soit d'aller voir Madame Dupont ou Monsieur Bongo pendant qu'ils sont en service en ville pour que vous puissiez prendre l'information venant des troopers supérieurs, là. Vraiment savoir c'est quoi la procédure à faire. Donc moi, ce que je vous conseillerais, ça serait premièrement d'envoyer votre demande à la ville, sur le site de la ville, concernant votre demande de pardon, de 1. De 2, attendre la réponse. Et entre-temps, aviser aussi le monde en ville, les policiers, comme quoi disant que vous avez fait envoyer votre demande de votre demande de pardon pour que eux ils puissent accélérer le ils vont pouvoir accélérer le processus vu que eux, ils ont beaucoup de contacts avec sur le site de la ville. Ok, je vais aller voir de bas. C'est comme je vous dis là, moi quand j'ai fait ma première demande de pardon, ma première et ma dernière à vrai dire, j'ai contacté Madame Dupont et elle a fait le processus pour que l'on puisse avoir accès au clairement de mon dossier. Mais c'était pas un gros dossier que j'avais. J'avais peut-être pas grand chose. Ok. Ouais, si c'est pas un dictionnaire que vous avez là, c'est bien carré. J'ai eu quelques fusillades là, mais tu sais. Parfait. Ouais. Donc on va voir ça. Je suis pas vraiment genre, j'aime pas tout ça me promener avec des guns là. C'est ça. Donc, moi je vous dirais, si vous avez encore des fusils en votre possession, moi je vous dirais d'aller au poste de police et faire détruire vos armes. Juste même montrer. Pour des Glocks? Ouais, des Glocks, ouais, juste montrer l'action et de faire détruire votre okay. Ils vont voir que l'intention est là et que vous ne voulez plus être un criminel ou quoi que ce soit. Là. Donc, mais il n'y a pas juste des criminels qui ont des guns. Ouais, ça je sais, vous pouvez l'utiliser pour votre propre défense. C'est de l'autodéfense. Ouais, c'est de l'autodéfense, en effet. C'est un Glock, c'est illégal, justement, au... Mais je vous dis personnellement que le Glock... Oui, n'importe quel pistolet que vous avez,
si vous tirez et que vous êtes, je sais pas moi, au club de tir, vous êtes en train de tirer, mais qu'il y a eu aussi une fusillade, vous pouvez être suspect, puis le monde peut mettre quand même des charges sur vous, tandis que si vous avez juste un taser, vous allez jamais vraiment vous faire avoir concernant ça, vu que vous allez avoir un taser. Avec un taser, il n'y a pas de poudre à canon. Vous n'allez pas être positif au GSR pour quoi que ce soit. Donc, un taser, c'est bon. C'est dur à trouver là, en civil. Ok. Pourquoi le taser est rendu plus difficile à trouver? Ouais, ben en fait, on peut plus avoir des ammunitions. Ah ouais? Ouais, il y a juste la police qui. Ça fait longtemps que t'es pas venu en ville. Oh, ouais, ça fait longtemps. Il faudrait que j'aille prendre cette information là. C'est ça, il n'y a plus de teaser, puis ils ont changé les noms de guns. Ils ont commandé des nouveaux guns. Ouais. La musique! Faut que tu te mettes à jour, ça a changé en vive, mon gars. Ok. Ah, je vais pas te déranger parce que c'est. Je voulais juste m'informer un petit peu, là. Vu que je sais que tu connais ça, puis t'es fiable. C'est bon, merci, merci pour les remarques. Bon, ben, passe une bonne soirée, man. C'est bon. Donc, oubliez pas d'aller sur le site de la ville, là, on est dormant. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, parfait. Salut, là. Hey. Oh my god. Ok, fait que... Il y a vraiment eu beaucoup de mouvements, là. En ville. Depuis mon départ. De la mairie. Elgin, Elgin Avenue. On va les gazer. Fouiller chaise, donner clé. Non. C'est une commande maintenant, par le plein d'essence. Hein? Comment acheter jerrycan? Je veux pas acheter de jerrycan, moi. C'est ça, essence. Et voilà. Ravitaillement. Ok, c'est bon, parfait. Tout est rendu avec le bouton X, là. C'est pas si pire. Une petite heure de RP, là. Faisant un bout, je n'étais pas venu en ville. Je dois en avoir un peu plus souvent.
Maintenant un peu plus souvent. C'était nice. Hein. Juste reprendre des nouvelles. J'arrivais en soirée. Il n'y a eu pas vraiment eu tant d'action que ça. C'était, ça chauffait pas tant que ça ou ce soir. Tranquille comme soirée. Tranquille pour un vendredi soir. Ok, il y a beaucoup plus de gens qui ont commencé à chill. Alright, ceci étant dit, nous allons bien. Alright, c'était pas si pire comme soirée. Une petite heure de RP. C'est le fun. It's all good. It's all good in the hood. Alright. Channel switched. Channel switched. It's all good, man. Oh, petite heure de RP, ben tranquille. Rien de trop extravagant. Belle soirée sur Grand Theft Auto. On a revu au moins un membre, un ancien membre du Whiskey, Monsieur King, Alex King. On a trouvé Bella, qui sont encore mariés et qui vont célébrer leur premier anniversaire de mariage sous peu. Très, 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 très nice. Ça fait aussi officiellement quoi un an que je fais que j'avais commencé sur Vision. Et yeah man, la communauté est encore là. C'est quand même grâce à cette communauté-là que j'ai eu la majorité de mes followers. C'était dû pour... C'était dû, man. Il fallait que je recommence à mettre des VODs de RP sur Twitch. Donc, ceci étant dit, on va se voir la prochaine fois, guys. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. Et on se verra la prochaine fois. Peace out!